Hello, c'est Maude et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de New LPS. D'habitude je fais ces petits épisodes en anglais, mais là je sais pas pourquoi j'avais envie de les faire en français. Donc bref, j'avais envie de faire cet épisode en français notamment parce que ce que je vais ouvrir dans cet épisode est, ce sont des blind bags qui sont déjà sortis aux États-Unis, donc peut-être que ça intéresse moins les gens anglais, donc bref. Les blind bags que je vais ouvrir sont ceux-ci. Donc j'ai acheté 4 blind bags de ce type. Donc ce sont des blind bags LPS. Donc on a un petit LPS et un accessoire avec. Donc normalement c'est la série 2. Je sais pas pourquoi ils ont écrit série 1 parce que ils ont déjà sorti une série avant celle-ci. Donc bon. Et les deuxième sorte de blind bags que j'ai acheté, ce sont des My Little Pony. Parce que je collectionne aussi des blind bags My Little Pony. Donc ça normalement c'est la série 12, et ce qui est bizarre c'est que le sachet est une matière un peu bizarre, et si on retourne le sachet, on peut clairement voir qu'ils ont mis un trou, et on peut clairement voir de quel poney il s'agit. Donc là on voit qu'il s'agit de Rainbow Dash. Moi je suis pas... bon moi à la limite je m'en fiche puisque ça évite d'avoir des doubles, mais ça perd un petit peu le concept du blind bag qui est censé être un sachet mystère. Bon, à la limite, si vous voulez pas voir qui est-ce que vous allez recevoir, vous n'avez juste pas à retourner le sachet, enfin bref. Donc je vais commencer par ouvrir les blind bags My Little Pony et je vais finir par les blind bags LPS. Pour des petites informations, je les ai trouvés à Toys R Us pour 2,99€. Dernier petit truc, ils ne montrent pas au dos les figurines à collectionner qu'ils faisaient dans les autres séries. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait là. Donc je ne sais pas exactement, on sait juste qu'il y en a 24, mais je ne sais pas exactement combien il y en a, enfin qui sont les personnages à collectionner. Donc comme dit tout à l'heure, on voyait clairement dans le sachet que c'était Rainbow Dash, Love to Help Her Friends. Ah voilà, donc là on a quand même une petite checklist au dos de la carte du poney. Donc voilà Rainbow. Elle a des cutie marks partout sur son corps parce que c'est la collection Cutie Mark Magic. Donc à mon avis ça aura quelque chose à faire avec la saison 5. Que j'ai super hâte qu'elle sorte. Passons maintenant au deuxième sachet. Donc le deuxième poney que j'ai décidé de choisir entre guillemets, puisque oui j'ai choisi, c'est Princess Twilight. Donc voilà encore la checklist au dos. Et voilà Twilight. Encore une fois, elle est recouverte de Cutie Marks parce que c'est la collection Cutie Mark Magic. J'ai quand même hâte de trouver, à quoi ça va correspondre dans le show, dans la saison 5. Et donc maintenant passons au LPS. Donc là encore, il ne montre pas lesquels on peut recevoir au dos. Et il y a, je sais pas si vous pouvez voir, un tout petit trou ici. Juste là, où on peut à peu près voir, mais bon, c'est pas très pratique, donc j'ai pas choisi mes blind bags, j'ai pris au hasard. Donc ils en montrent un petit peu sur le devant, on peut voir qu'on peut avoir des chiens, des chats, et un petit peu sur le derrière, enfin sur le derrière du sachet, mais on voit pas, il n'y a pas une checklist claire, donc peut-être qu'il y en aura une à l'intérieur, je ne sais pas, on va le découvrir tout de suite. Donc, update, le bag vient avec une checklist, avec beaucoup de LPS différents à collectionner. Si je devais choisir un préféré, ça serait ce chien là, dans la poussette, et celui-ci. Donc dans ce blind bag, j'ai reçu ce petit chat super mignon, bleu foncé et bleu clair. Et les accessoires que j'ai eu sont cette petite boîte pour le mettre à l'intérieur, et ces deux biscuits, donc on peut mettre sur le LPS ou sur la boîte. Hop, like this. Up to the next blind bag. Donc au début je pensais que c'était un hibou, alors j'étais super contente parce que j'adore les hibous, c'est avec le loup mon animal préféré. Mais je pense que c'est un perroquet ou un toucan, je sais pas trop, enfin c'est un oiseau quoi. Pareil, il est bleu foncé et bleu clair, avec le bec jaune et rouge, super mignon. Et il est venu avec... je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est que ce truc. Un sac, j'en sais rien, mais on peut le mettre dedans. Et l'accessoire, c'est ce petit, tout petit bout de bois, je suppose, qu'on va mettre... Hop,
sur l'accessoire. Évidemment, la checklist qui est la même. Up to the next one. Oh, bien sûr. Alors, cette fois-ci, j'ai eu un Grumpy Cat. Enfin, je sais pas si il est censé s'appeler comme ça, mais on dirait vraiment Grumpy Cat. Voilà, bon, il est mignon. Et l'accessoire, c'est ce petit pot ou ce petit bol. Avec... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est un poisson. Avec ce tout petit poisson qu'on peut encore mettre sur l'accessoire et mettre le chat à l'intérieur. Voilà, Grumpy Cat. Last blind bag. Donc dans le dernier blind bag, j'ai reçu cette petite écureuil qui est super mignon. Ou écureuil ou chat. Non, plutôt écureuil, je dirais. Ils sont super mignons, mais il y a des animaux, des fois, on a vraiment du mal à distinguer qu'est-ce que c'est. Et il vient avec ce pneu, un accessoire qui est un espèce de bonbon, ou un espèce de nœud, je ne sais pas trop. Donc voilà, ce sont tout ce que j'ai reçu dans les blind bags de cet épisode de New LPS, qui était aussi un petit peu New MLP. Si je devais choisir un favori, ça serait probablement ce chat, que je trouve super mignon. En plus, j'adore les couleurs, le bleu c'est ma couleur préférée, donc... Si je devais choisir un favori, ce serait probablement celui-ci. J'achèterai définitivement d'autres blind bags de ce type-là, parce que j'aime vraiment beaucoup ceux-là. Je pensais aller être déçue, mais finalement non, ça va. Et puis j'ai vraiment envie d'avoir ces Shetland qui ont l'air juste trop mignons. En tout cas, si vous avez aimé ce petit épisode de New LPS / MLP, vous pouvez lui mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus d'ouverture de blind bags comme ça, parce que des fois j'achète des blind bags mais je les ouvre pas... sous la caméra parce que voilà, j'ai pas le temps ou quoi, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'en ferai en anglais et en français, voilà, pour plaire à tout le monde. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and feel free to subscribe and check out my other videos. Oh, and don't forget to follow me on my social networks.